Mais il y a un individu qui m'a énervé, un vaurien. Vous allez m'excuser très fort parce que c'est un bon à rien. Un bon à rien. Un maboule, une personne inutile. Voilà. Le petit Fadiga éveillé. Il est à sa troisième fois, de ramasser les photos, couper, mettre les photos du procès Alpha Condé, prendre la tête et mettre comme si c'est le procès Alpha Condé. Il a fait un premier poste, vous constaterez un premier poste où il y avait où il y avait un gros plat comme ça, avec le poulet, riz et autres. Ils ont levé la tête, voilà, et ils ont mis la tête du procès Alpha Condé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le connaissant très bien, lui, Fadiga, le vaurien, excusez-moi du titre de ma vidéo, hein. Le salopard, un vaurien, un bonarien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est parti prendre la même photo parce qu'il y avait des commentaires qui apparaissaient en bas de la photo, des commentaires déplacés. Voilà, des partisans de Ousmane Gawal, des partisans de Baouri avaient commencé à commenter en bas. Ce qui m'avait envoyé la photo, pensant que c'est de la que j'allais bondir, venir répondre. Fadiga est un petit salaud, il le sait, lui-même il le sait. Un salaud de classe mondiale. Et d'ailleurs, allez-y voir, une autre personne est partie prendre la photo, la même photo, et couper la tête du président Sédar Diallo et venir coller mettre. Les gens ont compris que c'est un montage. Un simple montage. Donc ça l'a pas donné. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va prendre la photo de Kabakoudou. Kabakoudou est en train, en boubou, il partait, je ne sais pas, quelque part, comme s'il partait à la mosquée. Il prend la tête du prof Alpha Condé, il met. La photo est là-bas. Mais ce que je voulais te dire, petit Fadiga, tu n'intéresses personne au sein du RP, tu le sais très bien. En fait, c'est la jalousie qui est en train de te ramasser, parce que tu es un partisan de Sidya Touré. Voilà, nous le connaissons très bien. Voilà, tu es un partisan de Sidya Touré, tu fais le combat de Sidya parce que tu vois que le CNRD a déjà éliminé Sidya. Nous ne viendrons pas attaquer Sidya. Sidya et nous sommes dans une coalition. Donc, mais manquer de respect au professeur Fakon, tu sais, je n'ai pas la preuve, c'est la énième fois. C'est pour attirer l'attention, parce que tu sais, personne ne parle de toi. Il y a quelqu'un même qui m'a dit que tu. Oui, dès il savait que j'allais. Parce que tu m'as tagué pour que je voie la photo. Donc, toi et moi, on n'est pas allé depuis longtemps. Je ne sais pas comment tu as fait. Tu m'as tagué, voilà pourquoi c'est apparu sur mes trucs. Voilà pourquoi je suis allé t'insulter propre sur la page. Insulter propre. Voilà. Très bien. Il y a une vaurienne aussi à New York qui est venue dire fais semblant. Achamé, mais comment vas-tu? Moi, je voudrais te dire, petit. Petit. Et on a photo, moi, les Altinaraba. Inaraba, Mouninyan, Gamadinan, Falama. Il barre mille fois. Parce que Ibaba. Il m'y baba, n'a rien bingalaki. Ibaba, n'a rien barnaki. N'a rien chier, naki. Na. Alpha Condé, fils Anabé. Alpha Condé, finit en Mangera. Alpha Condé. Je ne vais même pas montrer ta photo avec tes yeux. On dirait quand on prend une grenouille comme ça, on appuie, ou tout sort comme ça. Et voilà, mais. Mbala fala, ben. Et mon nom, ma mouta, non, IF2M, tagisode. Parce que na jalousie, na toroma. Et na Alpha Condé photo tongo, l'a posté. Araba. Cette fois-ci, je ne viendrai pas répondre à bas de ton poste. M'fébrine nan na baba, et à mes sens, je sois ni. Ni Baba Kombi, mille fois, parce que Alpha Condé faisait Baba Bé. Alpha Condé devenu, elle a été président. Et jusque-là, elle n'a pas démissionné, il est président de la République. Il n'a rien compris, moi. Il n'a pas bien, il n'a pas un métier, ma sœur. Il n'a pas la barre dans la vie. Hein? Il n'a pas la barre. Bien, Baba, parce que là, il n'a pas.
On a Baba Fé Fala. Baba Fé, Baba Fé. Et t'as nommé Baba comparé à Alpha Condé. Qui ne peut pas? Alpha Condé est arrivé en France à l'âge de 15 ans. Alpha Condé, c'est parce que les Noirs, sinon, c'est un blanc. À mort, il va mort Mindé. Il va mort Kindia Bene. Agno? Il va mort Bene. Voilà. B, Kindia B. Ici. D'ailleurs, tu as quoi? Depuis que tu as commencé avec Oussou Boundoussi là, dans l'affaire de Zelab Gate là, il en a follow, il a Tongo, il a Fende, après tu m'as répondu, je pensais que tu n'allais pas me répondre, tu m'as répondu. Et là, toi là, tu dois me laisser tranquille, je ne te laisse pas tranquille. Nous avons dit à n'importe qui, je dis à n'importe qui, si tu ne parles pas du RPG là, tu n'intéresses pas le RPG. Tu sais ce qui fait la valeur des militants du RPG. Si tu n'insultes pas les patrons du RPG, nos militants ne te calculent même pas. Il faut faire 1000 fois tes postes. Personne ne viendra commenter. Et puis, tu n'es pas un garçon. Moi, j'ai fait une petite remarque. Il t'en fatigue, imbécile. Une fois, on a fait qu'elle fasse l'angoï. On a fait qu'elle fasse la. Il n'en sera pas à un moment. Comme il y a Colo, ça fait la Guinée, il y a Guinée, a fait régler. Il n'en sait là-bas. Avant, les deux messieurs qui parlaient en sous-sous là, il n'en sait là-bas. Nena Simanou, Seigneur de Massacre, qu'est-ce que tu faisais? Tu partageais les débats des deux. Alain Dambani Sende à émission. Il n'en partageait pas chaque fois. Il n'en sait là-bas. Comme tu devais aller en Guinée là, tu as arrêté de partager. Il raconte qu'il est suspendu, il est sur la Guinée. Il n'y a pas de il est sur la Guinée. Il met affaire et bien réglé. Et la famille est sur B. Ce n'est pas en ce temps-là que tu as commencé à attaquer le CND. Quand même, là, tu n'es pas un garçon. Tu penses que Alpha Condé même te calcule. Il ne te calcule pas, il ne voit même pas tes postes. Enfin, merde. N'a fils à Ibababé 1000 fois. N'a pas chié. N'a pas fallu. Voilà un vaurien aux États qui ne se respecte pas. Et bien, il y a un camion à Guiba, il est balancé. Conduis, tu ne peux jamais être en fonction dans ce pays-là. Qu'est-ce que tu as un diplôme universitaire? Rien. Tu as créé Eve Guiné à partir de là. Il a créé Bénin, bandit, salaud. Il a créé Midé. C'est toi qui avais poussé ces petits délinquants manqués de respect au président Alpha Condé. Tu as pris un Marocain comme ça, il est Marocain dehors, tu as pris une tête d'Alpha Condé, tu as mis comme ça, il a coupé. Et puis les gens sont venus chier là-bas, il y a fautement. Mais est-ce que tu as vu quelqu'un du RPG venir commenter, calculer? Nyan Gama dit, est-ce que de toi à commenter là-bas? Les gens sont partis manquer de respect au président Alpha Condé. Il prend les noms peu là, il crée les comptes là, pour venir pensant que nous allons sortir pour dire non, c'est nous ceci, c'est nous comme ça, c'est nous rentrer comme ça. Tu penses que quelqu'un va le faire? Mon grand frère Escanté, toujours le meilleur. Escanté, salut mon grand frère, merci. Voilà, demain c'est la fête même. Tu en as si mané ma propre, n'a pas l'aider. Il m'a dit Saromato, et ta mouya gima, et ta, et mi baba binyama, si ri baba binyama, vrai, i baba, naga i bari, naga i shiraki, tu peux pas manquer de respect au père des autres, n'a fallait bien. Et voilà, mais, parce qu'après un individu, ça soit là-bas, non, Alpha Condé est très présent, les gens ont le droit de faire, tu penses que actuellement nous sommes dans l'abusement, naga yo belemura, mon i baba kombima, 1000 fois, n'a fallait bien. Nyan kamadi, avec tes yeux, on dirait, quand tu appuies une grenouille comme ça, à Minara. Hein? Il est là, Mini, habite-toi, Mini, Alpha Condé. Tu peux te comparer au fils d'Alpha Condé, Inoma. Tous ceux qui supportent Alpha Condé, éternellement, ils comparent à Kérima. Inoma. Un mendiant comme ça, là. C'est comme ça, encore un jour, encore. Je me rappelle, c'est comme ça que tu es venu découvrir. Manque de respect à Kassori. Mais je ne sais pas qui est venu te ramasser. Comme. Tu étais dans la même ville avec la personne là. Il t'a dit, c'était qu'un jeune de Moria, Afalnebe, Anawa, il s'est bolé le balali. Anawa, il a écrit, j'ai suivi le poste là. Tu as manqué de respect à Kasso ce jour là. Vous étiez tous dans le même coin. Il t'a mis en garde. Tu l'as plus refait.
Il nous casserait que les postes seront. Parce que, Anna, toi et moi, on se voit tous les jours. Il n'a bombo casserait combien? Casserait manque. Avrané, il a posté, il a écrit. Est-ce que tu l'as répété? Tu l'as répété? Il y a un gamadi. Il t'a énorme. Hein? Hey, c'est la jalousie là qui va vous tuer. C'est la jalousie là. Il t'a un mouyagima. Il mouyagima n'a pas fait. Il y a un gamadi. Je sais que l'autre a écrit là-bas. Hey, comment? Comment ça s'appelle? Il en souille, ça va. Merci beaucoup, frère Savané. Il dit le gars là veut se faire voir parce que personne ne parle de lui. Exactement sur ça. Parce que personne ne parle de toi là. Tu veux te faire remarquer. Je te dis pour que demain tu sors et tu fais une vidéo. Je peux laisser pour tout le monde fouiller ton nafalaibé. Quand tu peux manquer de respect à Alpha Condé, au moins Alpha Condé fit ça. Il est devenu président de la République. Il a fait que ce soit en Guinée là. Il barrait. Tu sais pas toi qui supportais le CNRD. Le CNRD, au départ, tu disais vive Henri Doumbouya. Regarde maintenant comment est le pays. Dans les conditions normales, si nous ne sommes pas professionnels, si nous ne sommes pas professionnels, nous ne sommes pas démocrates. Mais nous, nous sommes professeurs, nous sommes démocrates. Petit Fadiga, imbécile. Moutan, démocrate dans Moutan. Sinon, tous ceux qui sont moqués d'Alpha Condé, moqués du RPG, disent même que le RPG est mort. C'est eux qui sont en train de payer le prix. Et bien, après, c'est tout. Tu as ton truc qu'on appelle Éveil Guinée. Éveil Guinée, aujourd'hui, n'a plus de valeur. Il n'a plus de valeur. Il n'a ce poste même meilleur commentaire. Quand tu postes, il n'y a même pas 10 commentaires. Ça doit te donner une idée. Tu postes, il n'y a même pas 10 commentaires. C'est parce que tu es un salaud, c'est tout. Agnon. Regarde. Et en poste dans là, lorsque tu avais posté que les cassoris, les damas hautes méritent la prison, depuis ton grand frère, toi, Garan, c'est un Morianais, à toi, Garan, on a un bombo cassoris là, on fait ma semi bébé, tu n'as plus posté là le nom de cassoris. Parce qu'il y a Colomb, Anitongo, tu as la taille pour il n'y a rien dans tes jambes là. T'es un petit kiki comme ça, non? Il a du taré à ton âge là. Parce que si quelqu'un a 45 ans maintenant, 45, il doit se respecter. Donc, comme a dit, Alpha Condé Borenara. Je te laisse plus, hein? Il n'a posté Altina. Ma fallait dire, nos chefs m'appellent pour dire non, il faut laisser. Sinon, non, il n'a Alpha Condé photo coupé, il y a un de posté. Ni Baba n'en combima. Ni Baba, comment tous les jours, Baba. Tu manques de respect à nos papas là. Nous allons manquer à ton père. Non, Falaibé. D'ailleurs, quel père même? Tu vas avoir son père là, on dirait un guignol. Il est déjà mort même. Il y a tout. Al-Mirini, Mirini, Yata, Gito, Mirini, Yato. Peut-être, il Baba, mais deux, trois fanara. Imbécile. Il faut le refaire encore, ok? Alpha Condé fils et Baba, il est devenu président. Et président, hein? N'importe quoi. Et non, on en sait là. Tchè, ILPG tout, mané. Et Alpha fait, mais. Parce que Aigrin ira. Parce que na petit peu perdu là. C'est lui qui était avant dans l'FNDC. Colon, les Guinéens ne doivent pas regretter Alpha Condé. Ce sont ses propres amis qui sont partis l'insulter en bas là-bas. Abore Yati, Nenansigamele Kombi. En bas là-bas. Nenansigamele Kombi. Nous ne sommes pas venus le répondre, c'est quoi là, un truc bas comme ça là. Celui qui est venu laisser, mais il faut faire comme normalement les Guinéens ne doivent pas regretter Alpha Condé. Les gens sont en train de regretter Alpha Condé, la jalousie est en train de vous ronger. Tous les, il doit tourner, quand chose, comment on appelle ça, Baoud, le Vaurien est parti à Bokela. Il parlait de quoi? Du fonds Fodel. Qui a créé le fonds Fodel? C'est Kassori. Des fonds Fodel créés, c'est Kassori. Des Anaïm créés. En Afrique, qui c'est les œuvres de Kassori. N'a pas de guerre là qui n'a pas de n'importe quoi. N'a pas de Baouri est en train de faire exactement. Il est en train de copier la façon de faire de Kassori. Kassori, c'est LPJ, c'est notre chef. Ah non? Il n'est combiné à longueur de journée. Il n'est photo posté. Mais il n'est pas un garçon.
jalousie nara, c'est ça Djabi. Eh, il est en jalousie nara quoi. Parce que Itan, tu as vu non? Voilà, tu as vu? Qu'est-ce que je voulais te dire? Quand il y a eu le coup là, le 5 septembre, les gens ont donné le RPG mourant. Ils ont dit que le fait fini pour le RPG. Itaya, Tignangaba, il a posséré. Oh, c'est fini. Mourant RPG, c'est tout son nom. RPG, c'est feignant. Maintenant, aujourd'hui, dans ce pays-là, il n'y a que deux partis politiques qui sont réclamés. Deux partis politiques. Il a mes dédés. Si ce n'est pas le RPG d'Alpha Condé, c'est l'IFDD de Selou. C'est tout, c'est les deux dans ce pays. Tu es partisan de Sidia. Nous respectons Sidia. Mais Sidia ne fait pas le poids devant les deux partis politiques. Non, jalousie, Naïma. Tu es jalouse parce que tu as vu Alpha Condé en Turquie. Mais tu vois qu'il ne cède pas. Parce que il apporte, et non, le vieux ne veut plus le pouvoir, il va à la mosquée. Et non, c'est bien. Parce que vous êtes en train de tout faire, même le CNRD. Tu es en train de faire ça. Peut-être que tu as envie de voyager sur la Guinée. Il va ma CNRD de si portefeuille d'une autre manière. Il va se gamin, il va faire comme il sera. Tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui ont arnaqué le CNRD. Enfin, les bêtes. Il faut encore le faire. Bon, ça c'était le cas du petit Fadiga. Voilà, là où il faut le laisser. Mais je vous mets en garde, vous. Je vous mets en garde, vous, il y a quelques jeunes là, que je connais très bien à New York, ou bien des jeunes dames ici là. Il y a un nom commentant, parce que j'ai vu deux dames qui ont commenté là-bas, en se moquant d'Alpha Condé. Ce n'est pas grave. Nous gardons le sang-froid. Personne, nous sommes déjà, je dis bien, nous sommes déjà en avance. Parmi nous, aucun communicant du RPG ne viendra manquer de respect à Elaste Dalen Diallo. Ça, c'est déjà signé. Ce n'est pas vos collègues en venant commenter, se moquer d'Alpha Condé quand on poste la photo d'une autre manière, là, à travers Fadiga et autres personnes, là. Venez faire vos commentaires. You mirage, allez, fia, là, parce que je connais une, là, j'ai pas envie de parler. Si tu veux manquer de respect, je dis, ça ne m'étonne pas. Je suis pas étonné. Tu sais que je suis pas étonné. Ailleurs, commentaire à notre dame, tu as mon numéro. Quand tu vas voir mon commentaire, j'ai dit, ça m'étonne pas. Faut m'appeler, me demander pourquoi j'ai écrit ça. Va, ils sont en train de t'insulter là-bas. Et je vais te dire la vérité. Tu es à New York ici, là. Je te dis, il faut te méfier très bien en venant nous provoquer. C'est pas vous, les petites personnes comme ça, qui vont nous pousser à venir manquer de respect à la Sénégal. Parce que ce n'est pas lié à lui. Toi, tu as la photo de... C'est comme quand je vois certaines personnes, ils ont la photo de profil de Doumbouya, ils m'envoient invitation. Il y a d'autres qui ont des photos. Moi, je vous dis, tous ceux qui ont des photos de profil militaire, là, je n'ai pas dit celle de mais tu as la photo de profil des militaires, qui m'envoie invitation, je rejette, je le réponds encore une fois. N'importe quoi. Mais excusez-moi. Donc, chef, vous avez vu, Baoud l'a mentionné. Voilà. Nous allons prendre cet exemple encore, montrer aux Guinéens que vous n'aurez plus d'argent, vous n'aurez pas d'argent. On gagne l'argent dans la légitimité. On gagne l'argent dans la légalité. À partir du 31 août, à partir du mois d'août, le mois d'août qui arrive comme ça. Tous ceux qui ont le permis guinéen, là, vous savez très bien que le professeur Alpha Condé avait envoyé une compagnie, je ne sais pas si ce sont des Allemands ou quoi, qui faisaient les plaques d'immatriculation. On se souvient, tout Guinéen se souviendra qu'avant là, c'était les plaques rouges, noires, la rouge, et puis il n'y avait que deux plaques rouges, RC, MG, et puis si c'est pour le taxi, c'est la plaque est noire. C'est avec l'arrivée du professeur, avec la société, la nouvelle société, où les plaques d'immatriculation ont été modernisées, changées, sous le leadership de Ibrahima Kassori Fofana. Comprenez? Donc, voilà. Qu'est-ce qui va se passer?
J'ai dit, ben, à partir du mois d'août, toujours ce sont ces petits malinqués perdus. C'est eux toujours qui sont en train de nous tromper. Ils sont en train de gâter le nom du mandat. Oui. Ce n'est ni un soussou, ni un peuple, ni un forestier. C'est nous les mandingues, des petits mandingues, la façon dont ils ont fait pour le passeport. Ils sont allés créer encore des rumeurs. C'est-à-dire, ils ont dit à Djiba Djakité qu'on doit revoir les plaques d'immatriculation et la façon dont les permis de conduire ont été livrés en Guinée. Ah! Donc, le gouvernement a vu directement un point où il faut avoir de l'argent. Max, il faudrait comment va-t-il, Max? Comment va-t-il, Max? Faute, on a dit. C'est-à-dire, ils ont vu exactement encore là où, imaginez-vous, il y a combien de chauffeurs en Guinée? Il y a combien de véhicules en Guinée? Imaginez-vous qu'on revient parce qu'ils disent qu'ils vont, ils vont revenir. En fait, ils ne reviendront pas. Ils vont reprendre. Ils vont reprendre. Vous imaginez, les gens ont fait les plaques tout récemment. Mais ils veulent revenir sur toutes les plaques. Sous prétexte qu'il y a eu la corruption, fraude, je ne sais pas, par-ci, par-là. Vous aussi. Bouba Samson, comment vas-tu? Hein? Et dans ce soir, comment vas-tu? Bonsoir, mon frère, bonsoir. Soirée, Anadi. Chère population, cet acte-là, c'est une énième fois d'arnaque. Vous avez fait vos plaques d'immatriculation. Dans quel pays du monde? Montrez-moi, donnez-moi le nom du pays où ils ont repris toutes les plaques d'immatriculation. Parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Je peux vous donner un autre exemple d'arnaque. Au temps du président Lansana Conté, paix à son âme, il y avait un budget que tous les militaires savent. Il n'y a pas un militaire qui ne connaît pas le budget. C'est-à-dire, quand tu es à la frontière, tu es militaire, tu as ton salaire, tu as ton... Mais il y a des primes. C'est ce qu'on appelle, c'est les fonctionnaires, les primes d'éloignement. C'est les militaires, ceux qui sont vers la frontière, ont une prime, un budget trop sucré. C'est Idi Amin qui gérait ça là. C'est tout récemment, Doumbouya a pris ça dans sa main. Le budget des frontières. C'est-à-dire le budget des frontaliers. C'est quoi qu'on parle, frontaliers. Il y a un budget pour les frontaliers. C'est différent de leur salaire. C'est pas la même chose. Vous comprenez? Donc, vous avez vu tout récemment. Ils ont parlé de l'arrivée du terrorisme. Parce que je vous ai déjà détaillé ça. C'est le seul pays au monde où Idi Amin, Bala Samoura, Doumbouya, Amara et autres connaissent réellement où les terroristes sont. Vous avez vu dans un pays où le terroriste dit, mais voilà ici, mais voici ici. Même hier là, ils ont tué des gens au Mali. À 200 km de la capitale, ils ont exécuté des villageois là-bas. Des terroristes, hein? Mais c'est en Guinée où on voit, on sait où se trouvent les terroristes. L'information n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous avez vu que ils avaient envoyé des militaires à Kanka, déployés parce que c'est dans ce budget. Parce qu'il faut obligatoirement montrer les traces des dépenses militaires. C'est ce que Idi Amin faisait. Il faut montrer les traces. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a une équipe qui est en train d'énumérer, de chiffrer tous les vols dans ce pays-là, c'est-à-dire toutes les dépenses. Il y a des Guinéens qui sont aussi des très bons Guinéens. Tous les investissements qu'on énumère à la RTG, là, il y a d'autres personnes qui écrivent. Voilà, le lot, tous les travaux publics, Symphonia Centre, tel lieu, là, projet tel, les monts, tel, ils parlent le nom de la société autre, là. Ce qui va se passer dans ce pays-là, quand nous allons reprendre le pouvoir, ou bien l'IFDG va gagner le pouvoir, c'est que beaucoup n'iront pas en prison, hein. Mais
Wallahi billata ne rafé l'ouéman la Guinée. Parce que la prison ne va pas suffire pour eux. Ah oui, parce que le gouvernement en place, le futur gouvernement se demande où les envoyer, tellement que le dégât est énorme. Donc, chers frères et sœurs, préparez-vous. Vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas payé, il n'y a pas d'activité. Ils ont chassé les gens dans les mines, mais la population est révoltée, disent qu'ils ne vont pas quitter les mines. Il n'y a plus de marché, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus d'entrée. Vous connaissez très bien comment la Guinée est un pays de commerce. Oui, agriculture, commerce. Mais on vous demande de reprendre vos plaques d'immatriculation. Le permis de conduire, de revoir ça aussi. Hein, vous allez vous retourner avec vos permis là. Et mettront les permis là de côté. Parce qu'aujourd'hui là, là les rumeurs qui circulent, les rumeurs. Vous vous rappelez, il y a certaines unités qui ont été fermées. Le groupement d'intervention rapide et autres. Mais j'aurais appris aujourd'hui, mais une information que Benito n'a pas du tout vérifiée. À cause de ça, il paraîtrait qu'on veut dissoudre. Il doit rester une seule unité en Guinée, c'est-à-dire les forces spéciales. Oh, oh là là. Moi, j'ai juste envie de voir le Bata dissous. Le Bata, c'est-à-dire on dissout le Bata devant moi. C'est-à-dire on affecte les éléments du Bata dans les garnisons, c'est-à-dire qui étaient Bata. Parce qu'il y a des soldats, il y a des gens du Bata qui ont été nommés comme préfets, sous-préfets ou comme zone. Oui, en Guinée. Mais après leur mission, ils reviennent dans les anciennes unités. Nous avons vu ça dans ce pays-là. Il y a d'autres qui ont été directeurs de cabinet, qui étaient en mission. Après, leur mission sont revenus à leur unité d'origine, c'est-à-dire le Bata. Parce que c'est une unité d'élite trop forte, plus que même. Mais bon, on laisse ça. Vous comprenez? On laisse ça. Donc, c'était une information à vous donner. Mais pourquoi je vous passe cette information? C'est parce que vous devez réagir par rapport à ça. De quelle fête? La fête d'indépendance des États, c'est demain, le 4 juillet. C'est demain quoi? C'est ici, la fête, c'est pas en Guinée, c'est la fête d'indépendance. Demain, ici, aux États-Unis, c'est la fête demain. Demain, il n'y a pas de travail. Personne ne travaille demain. C'est manger seulement, bouffer. Comprenez? Parce que je vous montre le document, ça est là, je ne suis pas en train d'inventer. Le document est là. Voilà, j'ai ça ici, on dit contrôle des permis et plaques d'immatriculation. Les opérations démarrent le 31 août prochain. Le contrôle des permis et plaques d'immatriculation. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà. C'est ce qu'ils ont dit. C'est une question. Voilà, c'est une information. C'est eux-mêmes qui ont passé ce communiqué-là. Le contrôle des permis et les plaques d'immatriculation débute le 31 août. Tout le monde doit passer au contrôle de son permis. Sans exception. Tout le monde. Je ne dis pas les copines. Voilà, les copines et autres. Voilà, frères et sœurs des membres du CNRD. Voilà. Et je voudrais terminer par cette information encore. Je voudrais m'adresser à M. Baouri. M. Baouri, j'ai montré les preuves, quoi. Voilà. Bon, si je ne le trouve pas, ce n'est pas grave. Demain, on fera ça. M. Baouri, vous devez faire beaucoup attention. Pourquoi attention? Parce que j'ai ça, mais bon, demain. On verra ça demain. Demain, Inch'Allah. Je pense que j'ai ça quelque part. Ok. Je laisse tomber. Monsieur Baouri, vous devez faire beaucoup attention. Vous devez faire beaucoup attention. Je préfère laisser ça demain. Demain, je préfère prendre ça comme un titre détaillé pour mes abonnés. Demain, c'est la fête. Le monde est à la maison.
Donc, portez-vous très bien. Bonne nuit à tout le monde. N'oubliez jamais que nous devons nous mobiliser par rapport. Nous devons nous mobiliser par rapport au recrutement, au changement de permis et d'immatriculation. Parce que c'est un petit groupe de personnes qui veulent avoir ce marché. C'est-à-dire, eux-là, ils veulent reprendre les plaques, les jolies plaques faites par le gouvernement d'Alpha Condé. Et les permis aujourd'hui qui sont fiables, des permis. Avant, il n'y avait pas de permis internationaux parce qu'il n'y avait pas de feu rouge, feu vert en Guinée. Donc, quand tu venais avec ton permis aux États-Unis, dès qu'on clique comme ça au DMV, on regarde, on ne trouvait pas la Guinée. C'était par rapport à tout. Mais c'est avec le changement, voilà, avec le changement de régime, depuis qu'Alpha Condé est venu, il a restructuré tous les secteurs. Ce qui a aidé les gens, c'est ce qu'on veut mettre dans l'eau. Vous savez, les refondations là, oui, les refondations là, ils n'ont pas compris la refondation. C'est-à-dire, ils ont le gros mot refondation dans leur bouche. Mais oui, voilà, c'est qu'eux, ils ont compris en matière de refondation. C'est rétablir le pays, réformer, réformer en arrière, pas réformer en avançant. Parce que comme ça, ils ont compris les refondations. Parce que je me demande alors, il y a tellement à faire, il y a tellement d'activités à faire. Voilà. Il devait normalement d'abord parler d'élection, parler de retour à l'ordre constitutionnel, parce que Baour l'a dit à Bokeh, il était très clair, que tout est, parce que c'est ce que je vous laisse demain, qu'ils sont en train de tout faire, mettre tout en œuvre pour qu'il y ait le référendum en 2024. Il ne parle pas d'élection, hein, il parle de référendum. Et ça aussi, il le dit, nous sommes en train de faire tout possible, tous les moyens, nous sommes en train de mettre tous les moyens pour qu'il y ait référendum, parce que c'est pas probable. Ce n'est pas probable qu'il y ait référendum en 2024. Mais c'est lui qui le dit. Il est en train de se battre, il est en train de tout faire pour qu'il y ait référendum en 2024. Et pourtant, c'est un menteur. Baour est un gros menteur, un bon menteur. Il ment. Il sait très bien que la mission qu'on lui a confiée, c'est de distraire les gens, désorienter, envoyer les gens dans d'autres options, attendez, voilà, il n'y aura pas d'élection, c'est tout, c'est ce qu'il veut. En tout cas, nous, au sein du RPG, on n'est pas concernés. Voilà, nous, on ne parle pas d'élection au sein du RPG. Donc, portez-vous très bien, et vous savez très bien, ce que vous voyez là, j'aurais appris, j'ai vu le poste à l'enseignement supérieur, à une publication du gouvernement, que l'enseignement supérieur recrutait 20 enseignants-chercheurs. Entre Dieu et vous, autant de Kassori, de Yula, de Mohamed Saïd Fofana, pour recruter 20 personnes. Est-ce que vous avez vu, il y a des enseignants-chercheurs qui ont été recrutés dans les universités. Aucun gouvernement de ces trois premiers avocats n'ont fait un poste par rapport à ça. Recruter 20 enseignants-chercheurs, allez-y voir le test, tellement que vous aimez. Vous allez vous. Voilà la refondation. Hein? Recruter et puis ils ont dit veulent recruter 20 enseignants chercheurs. Est-ce que recruter des enseignants chercheurs demande des publications du gouvernement? Normalement le département suffit largement pour poster ça, mais on s'en va, le gouvernement qui parle de ça, c'est par rapport à quoi? J'ai vu encore, on dit non, bientôt il faut recruter combien de fonctionnaires, mais attention, il y a des gens qui ont fait les tests, mais ceux qui ont fait les tests là, à où sont-ils? Non, mais on commençait par ceci. C'est la vérité. Commencez par ceci. C'est-à-dire, vous êtes en train de perdre le temps. C'est-à-dire, vous faites perdre le temps à la Guinée. Même si vous postez 1000 choses, l'essentiel pour nous, nous avons vu Alpha Condé, la pratique. Là, on vit le gouvernement de Kassori, de Yula, de Saïd Fofana. C'est Saïd Fofana qui a lutté devant tout le monde ici. Contre quoi? Contre Ebola. C'est Saïd Fofana qui a payé nos dettes. Hein? Moi, mais Saïd Fofana, c'est lui qui a payé les dettes de la Guinée. C'est lui qui a redonné la Guinée la liberté, Saïd Fofana. Quand Alpha Condé est arrivé, on dit non, vous êtes endetté, on ne peut pas te prêter de l'argent. Il faut d'abord rembourser, ou bien commencer à rembourser, nous montrer la volonté de rembourser les dettes guinéennes. Est-ce que c'est Alpha Condé qui avait accumulé ces dettes-là? Non! Est-ce que c'est Alpha Condé? Non! C'est le gouvernement précédent. Nous avons vu ici une transition
qui s'est assis et s'est partagé l'argent. C'est la transition de Konaté. Il y avait de l'argent, le reste de l'argent, ils se sont partagés. Il n'y avait rien à la banque, ils se sont partagés. Ou bien, mais Saïd Fofana, non seulement a payé les premiers salaires, et il a commencé les réformes, Yahi Ebola. Non seulement il était sur les réformes, et puis il se battait contre Ebola. Il se battait encore contre Ebola. Et ce qui m'a plu dans l'affaire de battre contre l'Ebola, la Guinée a été bien notée par tout le système des Nations Unies. Ils nous ont noté un pays qui a su se battre contre une maladie. Ce sont nos propres médecins, nos propres stratégies. Nous avons juste reçu de l'aide. C'est nous qui avions combattu, on s'est battu. Nous avons éradiqué Ebola. Ah ouais. Voilà en 2015. C'est à cause de quand j'entends certaines personnes, la fois qu'on n'a pas gagné l'élection de 2015, ça me fait rire. Parce qu'il y a certains adversaires d'Alpha Condé, là, qui ont vu de l'allure du travail de Saïd Fofana de Nord. Et nous connaissons le résultat suivant. Donc, portez-vous bien.